Bonjour Jade, du coup je suis ravie de t'accueillir pour enregistrer un nouvel épisode de Raconte-moi ton aventure par Waka. Est-ce que pour commencer tu pourrais te présenter un petit peu et puis après on discutera un peu des nombreuses aventures que tu as, auxquelles tu as participé? Je m'appelle Jade, j'ai 23 ans et je suis une jeune aventurière qui aime découvrir et partager des expériences et des aventures. Super. Du coup, on te connaît un petit peu sous le nom de Jade Pékin Express. C'est ta première aventure, si je ne me trompe pas. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu comment déjà tu as souhaité t'inscrire à cette émission à Pékin Express avec ta maman, il me semble. Et puis, comment ça s'est passé? Alors nous, il faut savoir qu'on regarde pas du tout la télé à la maison. Donc en fait, ça s'est fait sous une pulsion. Ma mère était rentrée d'un week-end entre amis. Elle voulait regarder la finale de Pékin Express. Et en fait, à ce moment-là, il y a le petit bandeau avec écrit vous pouvez postuler pour la prochaine saison sur tel site. Et je me suis amusée sur le téléphone à postuler. Et en fait, j'avais prévenu personne, ni ma mère, ni personne, parce que pour moi, c'était vraiment, je postulais à l'arrache pour rire. Je pensais qu'on n'avait aucune chance. Et en fait, de fil en aiguille, on a été rappelés pour les castings, etc., etc. Et finalement, ça s'est fait. Super. Et du coup, ta maman était quand même contente d'apprendre la nouvelle. À quel moment tu l'as mise au courant que tu étais dans le casting? Alors, elle m'a appelée en me disant qu'on avait reçu un mail. Et elle a cru à un spam parce que c'est vrai que ça paraît peu probable de recevoir un message comme ça. Et comme je n'avais pas prévu en amont que j'avais postulé, elle a juste voilà, cru à un spam. Finalement, moi, j'ai réussi à récupérer le mail. Et au début, elle m'a dit non, parce qu'elle ne voulait pas passer à la télé, parce que voilà, elle avait arrêté un peu le sport, etc. Et puis finalement, j'ai réussi à. Enfin, j'ai réussi, mais surtout son goût pour l'aventure a permis à ce qu'on participe quand même aux étapes de sélection. Super. Et du coup, comment ça se passe alors ensuite quand tu sais que tu dois participer à la prochaine émission de Pékin Express? Comment se passe le tournage? Comment se passe l'aventure? Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de l'arrière du décor en fait qu'on voit pas forcément en tant que téléspectateur? Alors, on nous demande de faire une valise avec des vêtements qui permettent d'aller de moins 10 degrés à 40 degrés, parce que forcément, on ne sait pas où on part. Et le but, c'est pas qu'ils nous donnent des informations en amont du climat ou ce genre d'informations. Donc ensuite, il y a un taxi qui vient nous chercher. On part à l'hôtel pour faire des interviews. On rencontre jamais les binômes. Parce que le but, c'est vraiment qu'il y ait une surprise, au niveau des caméras, quand on se découvre tous. Et donc, en fait, quand on est à l'hôtel, on prend nos téléphones, nos passeports, tous les documents qui permettront de prendre l'avion. Et en fait, nous, du coup, on est vraiment à nu, puisque on n'a plus la main sur aucun des domaines de la vie quotidienne. Et ensuite, on prend l'avion, on ne sait pas où. Et puis finalement, voilà, on découvre vraiment, comme vous, quand vous le découvrez à la télé, les binômes, le cadre, géographique, où on se trouve et ce qu'on doit faire, en premier lieu. Ouais, et toutes les épreuves également, je trouve aussi. Ouais, ça, on les découvre quand Monsieur Rothenberg présente la journée, le programme, et qui dit, voilà, aujourd'hui, il va falloir faire ça. Ou pareil pour les voitures interdites. C'est vraiment quand on est dans la voiture qu'on tombe sur le panneau. Et si jamais on ne regarde pas à ce moment-là, le journaliste nous dit attention, regardez bien à droite. Et quand on regarde, on voit le panneau, mais finalement, voilà, on le découvre au même moment, quoi. Ok. Et du coup, vous êtes donc chaque binôme, c'est ça, est suivi par un journaliste en permanence. Ouais, alors surtout le caméraman qui est vraiment constamment avec nous dans le même véhicule et qui nous suit vraiment devant ou derrière ou à droite, à gauche pour avoir des images. Et en fait, il y a toujours un véhicule derrière avec un journaliste et une personne de la sécurité locale qui parle donc la langue, qui nous suivent pour une question de sécurité et puis pour pouvoir aussi poser les questions quand on s'arrête ou ce genre de choses
pour qu'après le journaliste puisse nous poser toutes les questions qu'il faut pour que ce soit intéressant après. D'accord. Quels ont été pour toi les meilleurs un peu et les pires moments de cette aventure avec ta maman? Est-ce que tu as des petites anecdotes à raconter? Alors, les meilleurs moments, forcément, enfin, je pense qu'on est tous d'accord pour dire ça, ce sont les moments avec les locaux. La découverte des familles, quand on y dort, en fait, il y a toujours quelque chose de très émouvant. Et même parfois avec les conducteurs, certains qui font des détours puisqu'ils se prennent au jeu et ils acceptent de nous emmener là où on doit aller. Ou certains qui nous donnent, en fait, il y a jamais d'échange d'argent. C'est-à-dire que si, par exemple, on a faim, qu'on explique notre situation à quelqu'un, il n'a pas le droit de nous donner de l'argent. Il a le droit, en revanche, de nous acheter quelque chose. Pareil pour les tickets de bus. On peut prendre le bus, mais il faut que soit le conducteur accepte de nous emmener gratuitement, soit que quelqu'un nous paye le ticket. Nous, on n'a pas le droit de recevoir de monnaie. Et donc, moi, je sais qu'il y a un moment, il y avait un monsieur qui était touché par notre binôme, entre guillemets, et il nous a donné son sandwich avec son paquet d'amandes. Et c'était super émouvant parce que le monsieur, voilà, c'était son repas. Et finalement, il a juste vu que, enfin, il a appris qu'on n'allait pas manger parce qu'on avait notre 1 € par jour. Et il a dit, bon, voilà, je vous le donne, ne vous inquiétez pas, il n'y a pas de souci pour moi. Alors qu'en fait, on sait que dans ces pays-là, même s'il n'y a pas que des pauvres, il y a quand même beaucoup, beaucoup de personnes qui ont un revenu très faible. Ouais, c'est clair. Ben, c'est là que tu te rends compte. Ouais, c'est ça, de ce que les gens peuvent donner alors qu'ils n'ont rien dans les pays-là. C'est en général là où tu reçois le plus, quoi. C'est génial. C'est ça. Ok, super. Et les moments les plus difficiles? Alors, difficile, c'est de quitter certaines familles. Parce que vraiment, il y a parfois même en moins de 10 heures, on s'attache vraiment. Et sinon, après... au niveau du sport, en fait, avec l'humidité, avec la difficulté des épreuves et tout. Enfin, moi, je sais que j'ai eu une prise, j'ai eu très, très mal au ventre pendant une épreuve de barque et ça a été très compliqué. J'ai été perfusée sur place avec les médecins parce que voilà, en fait, il y a une très, très bonne sécurité et il y a une très bonne équipe médicale qui est fournie par la production. Là-dessus, on n'a vraiment aucun problème et donc voilà, la douleur là-bas était compliquée à gérer, mais dans l'absolu, il n'y a pas tant de mauvais moments que ça, en tout cas avec du recul. Ouais. Oui, c'est sûr. Il y a des moments où ça doit être plus dur physiquement, mais tu t'en souviens. C'est pas de ces moments-là dont tu te souviens, quoi. C'est ça. Super. Et du coup, donc après cette première aventure Pékin Express, tu t'es lancée dans d'autres aventures et notamment dans des fidèles. Est-ce que tu peux là nous parler aussi un petit peu de cet événement et comment tu as participé? Alors, moi, j'ai participé à la première édition qui se déroulait en Islande, qui s'appelait Destination Islande. Et donc, c'est un raid polaire avec forcément toutes les contraintes météorologiques. Et les activités, c'était donc raquettes, ski de fond, course à pied dans la neige. Et on a eu un genre de trek aussi, pareil, polaire. Donc pas pour ceux qui connaissent les raids, forcément, il y a tout ce qui va être demande de financement, recherche de sponsoring financier, matériel aussi, le plus possible, parce que y a des chaussures de trail à avoir, mais avec des guêtres en Gore-Tex, du matériel vraiment adapté à la neige et au dénivelé. Et puis moi, j'avais une binôme qui s'appelle Karine, qui a participé à Koh-Lanta, donc la même année que moi, en 2019. Et en fait, on n'habite pas du tout au même endroit. Elle est à Caen et moi, je suis à côté de Paris. Donc, on s'est rencontrés une semaine avant le raid. Et en fait, on a vraiment géré à distance tous les mails, toutes les demandes de sponsoring financier et matériel. Donc pour une première expérience de rallye, c'était assez marrant. Mais on a vraiment bien géré notre truc. Donc, ça s'est très bien passé là-dessus. Ouais, après c'est clair que c'est de l'organisation et à distance, chapeau parce que c'est pas toujours facile à faire ces recherches-là et cette préparation. Mais super et du coup vous entendiez bien, il n'y a pas eu de souci aussi à ce niveau-là au niveau humain.
Non, avec elle. du tout. Là-dessus, on avait les mêmes valeurs du sport, en fait, l'entraide, la cohésion. Et moi, j'ai fait pas mal de crises d'asthme, en fait, parce que l'entraînement vers Paris et l'entraînement, enfin, et la participation avec l'altitude et avec le froid, c'était totalement différent. Et à chaque fois que je faisais des crises d'asthme, elle était vachement présente. Pourtant, elle avait le même esprit compétiteur que moi, mais elle a préféré, voilà, privilégier ma santé plutôt que notre classement. Et on n'est pas du tout arrivé dernière, mais moi j'étais un peu déçue de moi, mes performances. Et elle, vraiment, a été adorable tout du long, très très encourageante, comme une grande sœur, quoi. Super. Et du coup, comment ça se déroule un petit peu des fidèles tous les jours, en fait, quelle est une journée type, combien de temps ça dure et combien de kilomètres vous parcourez? Alors, nous, des fidèles, le nôtre, il a duré 3 jours. Ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu une grosse tempête le jour où on devait partir. Le soir où on devait partir, du coup, l'aéroport international d'Islande a été fermé. Et donc, on n'a pas pu partir. Il n'y avait ni décollage ni atterrissage. Donc, on a été logés à côté de Charles de Gaulle. Donc, on a tous fait, on s'est tous rencontrés là-bas finalement. Dans un cadre assez différent, mais on était déjà dans l'ambiance raid et dans le contexte de découverte et de partage. Et après, finalement, on a réussi à prendre donc le vol qui avait lieu 24 heures plus tard. Donc toutes les épreuves, en fait, ont été un petit peu écourtées. C'est-à-dire qu'on a fait 12 km au lieu de 15 et 15 au lieu de 17. Et finalement, on a fait que 2 jours d'épreuves. Donc les 3 épreuves ont été vraiment. Enfin, on a fait la première épreuve le matin, la deuxième l'après-midi, la troisième le lendemain matin, alors que normalement on devait faire une épreuve par jour. Donc, D'accord. la deuxième édition de Destination Islande, qui devait normalement se passer en janvier 2021, mais qui aura lieu en janvier 2022, ne sera pas du tout pareille que nous, la nôtre, puisqu'elle aura lieu sur 3 jours. Et Ouais. donc, bah, c'est le petit déjeuner en équipe, enfin, voilà, avec tout le monde à l'hôtel. Ensuite, on prend le bus, on part sur le lieu des épreuves. Il y a de la musique, voilà, il y a la grande arche gonflable des fidèles. Donc, on est vraiment dans l'ambiance, il y a un petit entraînement. Et puis ensuite, bon, voilà, le coup de feu, l'épreuve. Et donc, nous, à la fin de l'épreuve, après, il y avait le repas. Puis la deuxième épreuve, on est reparti sur un autre lieu pour aller faire la deuxième épreuve. Et en fait, le soir, des fidèles, à chaque fois, organisent une petite surprise détente. Donc, on a pu aller visiter les geysers, on a pu aller au Blue Lagoon, qui sont les sources chaudes d'Islande. Donc, il y a quand même une petite partie visite et patrimoine. Ah, super. Ah, et puis les sources de choude, c'est quelque chose qui a l'air très, très sympa à faire. Et ouais, un moment, un Ouais. petit moment relax après les épreuves sportives, ça devait être sympa. Bah, c'est ça, et puis en plus, ça permet vraiment aussi de découvrir les binômes parce que finalement, pendant l'épreuve, on reste avec notre binôme, mais on s'encourage tous, mais on s'encourage à coup de numéro de dossard en disant allez, les 8, allez, les 22 et tout, mais on n'apprend pas à se connaître. Alors que là, quand on fait les activités ou quand on dîne tous ensemble autour des tables, on peut échanger sur notre quotidien, sur comment nous est venu le goût de l'aventure, du sport, quels sont nos entraînements, ce genre de choses. D'accord. Et il y a combien de personnes, il y avait combien de binômes là sur cette édition du coup? Il me semble qu'il y avait 50 binômes, on était une petite centaine de femmes. Parce que des fidèles, D'accord. vraiment, est réservé aux femmes. Et ils ouvrent maintenant Christelle Gauzet et Lindane. Elles ouvrent des raids qui sont mixtes, notamment celui de la Laponie l'année prochaine, qui donne fort envie. Et pareil, c'est une équipe mixte. D'accord. Ok, super. Et il me semble avoir vu que tu défendais également une association pour cet événement-là. Est-ce que tu Oui, peux qui me s'appelle Keep parler? Abreast. Ouais. C'est une association en fait qui a été créée aux États-Unis, qui a une antenne désormais en Europe et qui lutte contre le cancer du sein à travers plusieurs événements, des activités par exemple de plâtrage de buste pour mettre en avant la poitrine en fait, et qui développe également un programme d'application sur le téléphone
pour apprendre aux jeunes femmes et aux femmes à percevoir leur poitrine pour pouvoir déceler une potentielle tumeur ou voilà, en tout cas des boules anormales au niveau du sein. Et donc, y a vraiment, ouais, y a des fonds qui sont reversés à cette association. Et nous, en amont, justement, là où on était à l'hôtel à côté de l'aéroport, on a eu c'était pas une conférence, mais c'était une présentation de l'association par la représentante d'Europe, ou en tout cas de France, mais voilà, qui nous expliquait comment on allait pouvoir aider cet asso et comment aussi bien se palper la poitrine pour savoir quelles peuvent être les différences au fil des mois ou ce genre de choses. D'accord, super, c'est chouette. Et donc ça, c'est l'événement directement, c'est des fidèles qui participent avec cette association là. C'est pas, oui, c'est pas les binômes directement qui doivent soutenir une association. Non, après, il y a beaucoup de binômes qui décident de soutenir des associations à chaque fois, en fait, en plus. C'est-à-dire D'accord. que lorsqu'elles font des demandes de sponsoring et qu'elles en ont un peu plus d'argent, elles le reversent directement à une association ou alors elles décident de porter le t-shirt d'une autre asso. Et à ce moment-là, moi, j'avais porté effectivement des t-shirts de l'association Hôtesse de l'air contre le cancer. Et notamment, cette association, en fait, œuvre aussi contre le cancer du sein. Donc, ça avait vraiment un lien, ça avait totalement un lien sur les deux assos. Ok. Et du coup, donc sur des fidèles aussi, tu as un classement final. Et comment ça s'est passé pour vous alors, malgré tes péripéties et tes crises Il me semble d'asthme? qu'on était arrivé 22e sur 50. Donc, on était quand même dans la première moitié. Après, moi, c'est vrai que voilà, je n'ai pas l'habitude d'être entre guillemets aussi loin. Mais effectivement, j'étais déçue de moi et de ma santé, mais j'étais surtout déçue pour Karine parce que je sais qu'elle aurait vraiment pu faire beaucoup, beaucoup mieux. Après, comme elle me disait que voilà, c'était une équipe, un binôme, puisque moi, je disais souvent, allez, vas-y, avant moi et tout. Et elle me disait, non, on est parti ensemble, on arrivera ensemble. Donc, c'est une vision que j'aime beaucoup. Le classement, en fait, il se fait sur les trois épreuves. Et après, il y a un genre de gala, un dîner de fin de rallye où on fait la fête, où voilà, on dîne tous ensemble, il y a de la musique, etc. Et là a lieu la soirée de remerciement des partenaires, de combien on a réussi à donner à l'association Keep Abreast et le classement. Avec les trois premiers qui ont des lots, soit des partenaires, soit des lots surprises. D'accord. Super. Bon, bah, ça donne en tout cas très envie de participer à des fidèles. Et au niveau, est-ce que tu aurais peut-être un conseil à des personnes qui aimeraient bah, se lancer le défi des fidèles? Ouais. Comment se préparer peut-être? Est-ce que le niveau est difficile à atteindre pour y participer ou alors est-ce que c'est accessible à Moi, je dirais vraiment c'est accessible à tous, enfin à toutes, du coup, pour des fidèles. Faut vraiment pas se brimer à cause d'un niveau de sport qu'on aurait ou qu'on n'aurait pas. Il y a de tout. Il y a des femmes très jeunes qui font partie d'un club d'athlétisme et y en a une qui est championne de France de haies ou je sais plus quelle discipline en athlée. Voilà, elles, forcément, elles sont arrivées entre première et sixième, peut-être. Donc oui, il y a des niveaux qui sont extrêmement. Enfin, on les voit au début sur la ligne et puis après on les voit plus au bout de 10 mètres. Mais il y a des femmes. Voilà, il y avait un binôme qui m'a fait un peu penser à maman et moi. C'était leur première raid. Elle avait 18 ans, la jeune femme, et puis la mère, je sais plus, avait une soixantaine d'années. Et en fait, elles avaient gagné leur participation pour le raid. Et donc elles y allaient parce que voilà, c'était l'opportunité. Mais elles s'étaient entraînées à peine un mois avant quand elles avaient appris qu'elles allaient pouvoir y participer. Et finalement, elles ont adoré. Elles ne sont pas arrivées dernières. Bah, elles sont arrivées dans les dernières, mais elles ont juste adoré leur participation. Le fait déjà d'avoir réussi à finir toutes les épreuves. Parce que l'idée dans le sport, c'est vraiment de finir plus que d'arriver, d'avoir un classement quand en tout cas on est débutant. Et puis elles ont adoré, voilà, l'ambiance. Parce qu'un raid, malgré tout, surtout que ce soit les rallyes motorisés, les raids en vélo, à pied ou des rallyes, ce genre de choses, c'est l'ambiance qu'on recherche avant tout, parce que le dépassement de soi, on peut l'avoir un peu partout sur des courses
qui durent 2 heures sur les 20 km de Paris et des courses comme ça journalières. Là, le rallye, ce qu'on retrouve, c'est une ambiance bah, matin, midi et soir pendant 2, 3 jours. Là, ça c'est clair, c'est ce qui nous passionne et c'est ce qui nous donne envie de repartir. Tu crées du lien aussi avec des gens qui ont finalement un peu la même vision que toi de la vie et de plein de choses. Et c'est vrai que c'est des moments de partage, d'émotion assez inoubliables. Et puis à chaque fois sur le moment, on se dit, je ne referai plus jamais ça, c'est quoi, ça sert à rien, ça me saoule, c'est dur et tout. Et puis à chaque fin de raid, on se dit, bon, c'était fatigant, mais pourquoi pas? Puis 2 semaines plus tard, on se dit, ah, je le refais direct. Et c'est ouf. Ouais, c'est vrai. Et du coup, donc, petite passage à du coup du motorisé, puisque après des fidèles et plutôt rapidement après, dans la foulée, le mois suivant, tu étais au départ du 4L Trophy. Exactement. Du coup, est-ce que tu peux me parler un petit peu de ta préparation au 4L Trophy, de ton binôme? Je ne sais pas si c'était la même personne que pour. Du tout. J'imagine que non. Voilà. Et me parler un petit peu du 4L Trophy en général. Alors, pour le 4L Trophy, en fait, ça s'est fait totalement différemment. C'est-à-dire que je suis partie avec ma meilleure amie. Donc là, la personne, je la connaissais. Et en plus, on habite à côté. Donc enfin, tout ce qui était recherche de financement s'est fait beaucoup plus facilement. Puis elle, comme elle était totalement occupée, elle s'est vraiment occupée. Pendant le raid, elle a conduit tout le raid, puisque moi, j'avais une rupture des ligaments croisés. Mais du coup, moi, en amont, c'est moi qui me suis occupée de tout. Et donc, la recherche de financement était beaucoup plus compliquée, parce que bah, j'étais toute seule à le faire. Mais après, c'était extrêmement formateur. Faut l'avouer maintenant, c'est une bonne expérience sur le CV. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'on s'est inscrite le dernier jour possible parce que je devais le faire avec quelqu'un d'autre initialement qui m'a lâché. Et là, ma meilleure amie m'a dit, bah, écoute, je te rejoins. Et c'était donc le 12 décembre, puisque le 12 décembre à 23h59, c'était la fin des inscriptions. Et nous, elle finissait à 22h son travail. Et donc, on s'est inscrite vers 22h15. Donc, vraiment, c'était. À 1h30 près, c'était bâché, quoi. Donc ça, déjà, ça a donné une dimension et l'image aussi de notre binôme. On était toujours à la ramasse dans le sens où on est parti le. Donc, moi, je partais le 23 janvier pour l'Islande. Le 16 janvier, on est parti dans le sud aller chercher la 4L qu'on avait repérée sur Internet. On s'était dit, bon, elle a l'air sympa, elle est moins chère qu'en région parisienne, on va y aller. Puis, bah, le jour même, on est remonté avec. Donc, Waze annonçait une arrivée à 21h. Et à 2h du matin, on est arrivé devant chez moi. Donc, il y avait toute la famille qui nous attendait, qui disait bah, pourquoi elles sont pas là, qui nous appelait en disant mais vous devez arriver vers 21h. Il est minuit, il est 1h. Allô, vous êtes où? Et en fait, bah, là, les galères entre guillemets avec la 4L ont commencé dans le sens où sur l'autoroute, déjà, ça monte pas à plus de 110. Donc là où Waze annonçait 130, bah forcément on a mis 2 heures de plus puisqu'on était là à 110. Puis bah à force de rouler trop longtemps à 110, le moteur décélère. Donc à un moment on s'est retrouvé sur la bande d'arrêt d'urgence vers 20h. En janvier forcément à 20h il fait nuit, donc on était là toute seule avec nos gilets, on attendait puisque la voiture voulait pas redémarrer. Mais on était, je sais plus à quel point on était sur l'autoroute, mais bon on n'était pas à côté du tout, donc on a commencé à paniquer un peu. Enfin voilà, il y a eu toute des trucs tout bêtes, mais je me souviens, on est allé à chercher à Aix-en-Provence. Donc, j'ai voulu ouvrir la fenêtre pour sortir d'un genre de parking. Puis, je me suis retrouvée avec la fenêtre dans les mains. Donc, j'avais la fenêtre comme ça, qui s'était décollée des joints. Puis, je me suis dit, ouais, il nous a arnaqués, qu'est-ce qui se passe et tout. Donc, ma copine, elle a essayé d'ouvrir sa fenêtre, ça a fait pareil. On avait, donc, pendant peut-être 10 minutes, le temps de remonter la pente et tout, on avait la fenêtre sur les genoux. Puis, je conduisais, il y avait plus de carreaux. Enfin, et là, on s'est dit, mais dans quoi on s'embarque, c'est n'importe quoi. Moi, je pars dans une semaine en Islande. Elle fait que bosser. On n'aura jamais le temps de préparer et tout. Et en fait, voilà, bah, forcément, le goût de l'aventure fait qu'on a quand même continué notre préparation. Puis l'argent aussi. Donc, c'est un truc. L'inscription est quand même coûteuse. Et en amont, en plus, il faut aussi aider une association qui s'appelle Enfants du désert. Et donc, il faut récolter des fournitures matérielles, scolaires, paramédicales et des denrées alimentaires non périssables pour aider la Croix-Rouge basque.
Et donc, il y avait aussi ça où il fallait s'en charger. Moi, à l'époque, j'étais vice-présidente dans une association. Donc, avec cette asso, on s'est occupé de faire des collectes avec un collège de la commune qui nous a beaucoup aidés. Donc, c'était vraiment beaucoup plus simple. Mais il y a vraiment plein de choses à penser qui sont techniquement plus difficiles que pour un rallye, enfin, ou un raid genre trek comme des fidèles. Ouais. Oui, parce que aussi, tu as l'aspect mécanique, j'imagine, en plus de cette remontée un peu difficile de la 4L, j'imagine que tu as quand même pas mal de préparation et une checklist à valider avant d'être Exactement. sur le départ. Bah, il y a ça, donc il y a vraiment, c'est ça en fait. On a un genre de petit carnet de bord qu'on reçoit dans notre espace participant, et voilà, où ils nous disent de faire attention au châssis, de faire attention à la courroie, de bien vérifier tout ce qui va être niveau d'huile, etc., que ce soit pas percé, enfin plein de choses comme ça. Et en fait, il faut le maîtriser sur le bout des doigts, parce qu'ils nous disent que tous les soirs et tous les matins, il faudra le revérifier. Et effectivement, il y a toute une préparation aussi. Alors nous, en fait, on est parti dans le sud la chercher parce que justement, elle était déjà prête. On n'avait plus de, n'avait rien à refaire. On a juste fait un check-up chez le garagiste. Mais sinon, en soi, on n'avait pas de préparation. Après, on sait que quand on a rencontré des binômes justement sur place avec lesquels on a échangé, ils nous ont dit, ils ont acheté un châssis, ils ont acheté quatre roues, ils ont acheté ci, acheté ça. Et puis, ils ont tout monté eux-mêmes. Et on s'est dit, waouh. Mais après, eux, ils s'y étaient pris quasiment un an, voire un an et demi à l'avance. Enfin, ils s'étaient inscrits en 2018 pour 2020, alors que nous, c'est vrai, on s'est inscrits 3 mois avant à peine. Bon, on n'était plus dans dans la même optique. Ouais. Je comprends. Et du coup, en termes de mécanique, vous avez dû apprendre un petit peu à savoir bricoler la 4L ou du moins savoir où se trouver les éléments les plus importants. C'est ça, en fait, on était, je me souviens, la veille de partir, on regardait des tutos sur YouTube, ma 4L ne démarre plus, que faire, ma 4L a le pneu dégonflé, que faire, enfin, plein de choses comme ça où on s'était dit, forcément, il va nous arriver des problèmes. On n'a eu aucun problème, vraiment. Pendant le 4L, nous, on a eu aucun problème. Et on voyait des 4L arrêtés sur le côté qui démarraient plus, qui faisaient ça. Nous, on avait la chance, ça c'est le petit conseil, si jamais il y en a qui vont participer au 4L Trophy, d'avoir un deuxième ventilateur. C'est super important. Ça permet vraiment à ce que le moteur ne surchauffe pas. On avait la chance d'acheter une 4L où il y avait déjà un deuxième ventilateur. Donc on sait que ça nous a vachement aidé. Et quand on est arrivé à Biarritz, donc c'est là où est située la ligne de départ, la veille, en fait, les 2 jours qui précède le départ officiel, il y a un rassemblement avec plusieurs points administratifs à faire. C'est là où on donne aussi les denrées alimentaires. Enfin, voilà, il y a pas mal de choses à gérer. Et notamment, il y a des pièces obligatoires qu'on doit avoir, par exemple une roue de secours, deux extincteurs, une courroie, enfin voilà, des choses, une manille, plein de choses comme ça. Et donc là, on a rencontré un mec qui avait 35 ans, qui participait au 4L Trophy, qui avait une dérogation, et en fait qui est garagiste. Donc il a préparé sa 4L tout seul, forcément, Okay. et il nous a appris plein de choses à voir en fait sur notre 4L avant de partir, et après quand on pose la 4L dans le désert, savoir enfin bien gérer les niveaux de quand on a pris le sable, ce qu'il faut faire. Et quand vider le filtre à air, quand le changer, quand voilà, il y a plein de choses comme ça qui nous a appris, et vraiment c'était très cool parce qu'on connaissait pas du tout la mécanique là-dessus. Ouais, bon, bah, super, au moins maintenant tu t'y connais un petit peu. Si on a des questions, on peut renvoyer du monde te poser des questions sur Ça peut se faire. comment bricoler sa 4L. Voilà. Super, et après du coup, comment ça s'est passé ensuite l'aventure en tant que telle, l'aventure 4L Trophy tous les jours, l'itinéraire, etc. Alors l'itinéraire, en fait, donc on part le premier jour, on nous dit que on a rendez-vous dans 2 jours à tel endroit, et ensuite on gère comme on veut. D'une part parce que y en a qui ont des problèmes sur la route, donc qui sont obligés de s'arrêter, et d'autre part parce que il n'y a pas d'hébergement en fait réservé par l'agence des Airs Tours. C'est à nous de gérer ça. Donc il y en a qui avaient pris l'option de réserver en amont.
des hôtels pour payer moins cher ou des campings. Il y en a qui décidaient de faire que du route, donc avec une tente, de planter ça ou de dormir dans la 4L. Il y avait plein de choix. Nous, c'est vrai qu'on a fait le choix de se dire on va faire comme notre préparation à l'arrache au dernier moment. Parce qu'on s'est dit, si on réserve un hôtel, qu'on n'arrive pas à y aller, qu'on peut pas, enfin, qu'on est obligé de payer en avance, alors qu'on finalement on va pas dans cet hôtel, etc., ça va être encore des coûts. Donc on a toujours dormi dans un Airbnb. On réservait peut-être 1 heure et demie avant d'arriver. Et on essayait aussi de visiter le plus de villes possible, parce que on s'est dit qu'au retour, on en aurait probablement plein les roues et on en aurait marre. Donc on a fait Séville, on a fait Tolède, on a fait Salamanque, enfin voilà, on a fait pas mal de villes comme ça en Espagne, et à chaque fois on s'arrêtait pour y dormir. Et ensuite, quand on arrive à Algeciras, en fait, on a un roadbook qui stipule qu'on n'a plus le droit au GPS pour le Maroc. Et donc, on a toutes les indications par des flèches, par voilà, des coordonnées. Et à partir de là, en fait, c'est pas des campus, mais des. Des bivouacs. Enfin, voilà, des bivouacs dans le désert où on plante la tente. Et puis, on dort là-bas. Tout est organisé après par l'agence. Ok, super. Et du coup, la navigation, donc là, c'était toi à 100% sur la Non, c'est elle. navigation. Ah oui, c'est. Ouais. Ouais, puisque du coup, c'est elle qui conduisait et puis toi, en Exactement. permanence au roadbook. Vous n'avez pas eu de difficultés à ce niveau-là en Et termes de bah navigation? étonnamment, aucune. Parfois c'était quand même difficile parce que il y avait des. Ça reste le Maroc dans le désert, donc il y a parfois une flèche en mode après un caillou vous tournez à droite, mais bah forcément il y a deux cailloux, donc on ne sait pas lequel prendre. Enfin, voilà, il y a des choses comme ça qui sont un peu plus compliquées à gérer, mais ça c'est. Enfin, vraiment, ça s'est vraiment fait naturellement et c'est ouf. Et du coup, j'imagine que tu as fait pas mal de rencontres aussi parce que vous êtes quand même pas loin de 1300 4L, il me semble, au départ, ou peut-être un Ouais. petit peu. Mais du coup, j'imagine que là, c'est une grande fête aussi le soir avec Exactement. C'est ça, en fait, il y a toujours une petite vidéo qui résume la journée. Donc vers 20h avant le dîner. Donc déjà là, on se retrouve tous un petit peu, sauf ceux qui sont encore au point méca parce qu'il y a eu des galères et tout. Mais sinon, ouais, en fait, on essaie tous de se retrouver. Après, on tisse des liens avec les premiers, puis on échange nos numéros, ce genre de choses, et puis on essaie de se retrouver après. Nous, on a beaucoup sympathisé donc, avec le binôme du garagiste et avec un binôme de deux nanas qu'on a revu d'ailleurs. Qui habite dans le sud de la France et qu'on a revu en septembre dernier. Et ouais, c'est une grosse fête. Il y a toujours, enfin, ils ont tous des enceintes et tout, donc il y a toujours de la musique. Puis les courses en Espagne et au Maroc sont beaucoup moins chères, donc c'est pareil. Il y a toujours moyen d'acheter des trucs à manger, à boire. Enfin, voilà, c'est très sympa. C'est une Ok. ambiance très jeune et très festive. Ouais, c'est super. C'est uniquement des étudiants, sauf dans le cas du garagiste, là, en l'occurrence, mais Ouais, oui. souvent c'est, je me sens que c'est jusqu'à 28 ans Ouais. la participation. Après, il y a des dérogations qui peuvent se faire, puisque je considère que c'est pas parce qu'on a plus que 28 ans qu'on peut pas s'amuser. Mais Ouais. ouais, dans l'absolu, c'est 18-28, juste avoir le permis. Voilà. Ok. Bon, bah, tu as l'air d'avoir que des bons souvenirs, en tout cas, de cette aventure-là. Et maintenant, alors, est-ce que tu as des choses que tu prépares ou que tu aimerais préparer pour les mois ou l'année à venir? Bah là, je devais faire le rallye des gazelles avec une amie pour la 30e édition, mais avec le contexte sanitaire, ça a été tellement reporté que on peut plus y participer. Et du coup, j'essaye de préparer l'ascension du Mont Blanc pour une association qui s'appelle Œuvre et des pupilles, qui œuvre en fait pour les orphelins pompiers. Mais c'est voilà, c'est un projet personnel ça n'a rien à voir avec un raid ou un rallye. Et j'aimerais bien faire ça à partir de la deuxième quinzaine de septembre, puisque pour l'instant, paraît-il qu'il y a beaucoup de monde sur le Mont-Blanc.
Et ça va être un gros défi, puisque bah, avec l'asthme, l'altitude à 4000 mètres, ça va être, je pense, difficile. Mais voilà. Ok, super. Je mettrai certainement en lien, du coup, les liens vers tes réseaux sociaux pour te suivre. Et j'imagine qu'on te retrouvera sur un autre événement partenaire de Waka très rapidement et dès qu'on aura un peu plus de visibilité sur les dates aussi et à la sortie de cette crise. Ça marche.